allez, on monte. Du bruit. Allez, vous en voulez? On est tellement heureux de vous voir encore au lieu unique. Dernier jour pour la grande finale. Événement hybride, hein, comme vous l'avez compris. Entre la musique, le squash, le sport globalement, c'est la fête du sport. Je pense qu'on va vous remercier et vous allez vous applaudir tout de suite. Tout de suite, parce qu'on vous aime. On a une semaine de dingue. Et vraiment, on est ravis de vous avoir encore une fois. Du bruit, s'il vous plaît, pour mon inconnu, DJ, de Franck-Loup. Avec aussi une grande dame qui l'a accompagnée toute la semaine, qui est cachée quelque part. Si je regarde bien, je vais la trouver. Du bruit, Natacha Godel, la chargée de projet du mur. Merci Natacha, énorme merci. On va continuer tranquillement avant de lancer les hostilités. Ces gens-là, dont vous retrouvez les noms sur le programme, les partenaires officiels, associés, institutionnels, pour la majorité qui sont là et qui nous font l'immense plaisir d'être là tout de suite en tout cas, à côté d'ailleurs de l'œuvre de Michel Bouvet. Énorme merci, sans vous on n'est rien et sans vous il ne se serait rien passé. Merci à vous, partenaires entreprises institutionnelles. Merci d'avoir cru en nous. Un petit rappel pour que la fête se finisse tout à l'heure, vous avez toujours la boutique de produits dérivés, des affiches, c'était le premier Open hein, international, donc c'est collector. Les t-shirts, les affiches peuvent être signées par les joueurs, il y a des cadres avec, ça peut être très sympa. Personnellement je l'ai fait, vraiment ça peut laisser de belles traces. On va faire une ovation également aux représentants de la Fédération Française qui sont venus nous voir depuis hier, Monsieur Jacques Fontaine, président. Pour que le squash évolue, aussi au niveau fédéral et surtout, Monsieur Serge Vio, à sa gauche. Monsieur Dominique Montano, qui va se tourner à la droite. Allez, pour cette finale, on va accueillir également notre trio arbitral. Nous aurons de nouveau Messieurs Jacob, Palmieri, Paul Gorsec, au milieu du gradin, central. Et puis une toute dernière attention à des gens qui sont d'une gentillesse en plus hors norme, photographes, bénévoles, tous habillés en petit bonhomme orange, qui ont fait un travail quand même assez extraordinaire.
parce que c'est du boulot. Je peux vous dire, mais quel plaisir. Allez, vous êtes prêts? Et le reste, sous le pied. Allez, on y va. On va accueillir pour cette grande finale, tout de suite, un Français qui a fait le parcours qu'on attendait finalement, tête de série numéro 1, 26e, ouais, merci jeune homme, 26e joueur mondial. Il a battu au tour précédent, brillamment, le piège Eddie Charlton, 3 jeux à 1. On va faire un triomphe à notre Frenchie, Grégoire Mars. Challenger, joueur redoutable, finlandais, 24 ans, tête de série numéro 3, 58e joueur mondial. Il a battu malheureusement notre Lucas Serm, 40e joueur mondial au tour précédent, 3-1, c'était un match exceptionnel, conditions physiques hallucinantes et vraiment des échanges qu'on a adoré voir. Faites un triomphe à un joueur qui est très attachant, finlandais, Henrik Mustonen. Que vous retrouvez sur les programmes, vous avez douleur pédigrée entre guillemets. C'est vrai qu'on pensait sur le papier que deux Français iraient en finale. Pour autant, c'est la beauté du sport. Hein. Un match, c'est un match. Et il peut tout se passer. On est en début de saison, il peut se passer beaucoup de choses. Donc bien évidemment, on est ravis d'avoir ce match qui nous réserve d'énormes surprises. 8 confrontations entre ces joueurs. 4 victoires partout. La dernière pour Grégoire. Autrement dit, ça va être costaud, gros spectacle. Je fais un petit rappel, parce que je vois avec plaisir que beaucoup de gens nous ont rejoints pour la semaine, pour bien comprendre les engagements, les règles du jeu, si vous souhaitez bien comprendre comment ça va se passer. Nous avons un petit carré de service d'un côté, un petit carré de service de l'autre côté. Pour engager, le joueur qui sert va donc mettre l'un de ses pieds dedans, servir directement au-dessus de la première ligne à hauteur de tête sur le mur frontal et doit engager dans le grand carré opposé au premier rebond. S'il ne respecte pas ça, c'est faute et contre l'adversaire, il n'y a qu'un service au squash. Une fois que l'échange est engagé, vous avez la possibilité de jouer sur tout le court. Un rebond, rebond direct ou indirect sur le mur frontal. On a donc droit de se servir de la vitre arrière ou des murs latéraux. Par contre, pas au-delà des limites du terrain qui sont des outs. Vous voyez les lignes bleues qui sont au-dessus et elle est induite au-dessus de la vitre. Si ça sort des limites du terrain, c'est faute. Et point pour l'adversaire. En bas, c'est un tin, ce qu'on appelle la plaque de tôle qui est en noir avec le rappel des sponsors. Cette plaque de tôle, lorsqu'elle est frappée, fait un petit bruit supplémentaire ou même la balle se relève et symbolise la faute. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure et tout au long de la semaine, cette faute, ici, symbolisée par le tin,
et plus basse que sur des cours traditionnels sur lesquels vous avez sans doute déjà pratiqué le squash entre amis, pour commencer, pour vous amuser. Il y a un peu plus de 5 cm en moins pour assurer un spectacle supplémentaire et baisser la marge de manœuvre de l'attaquant et mettre encore plus en difficulté l'adversaire. Parfois des décisions arbitrales qui vont être données par les arbitres à la demande des joueurs. Il peut y avoir des interférences, des gênes dans l'impact ou dans la préparation en tout cas du coup du joueur ou dans son déplacement. Auquel cas il va demander un let à l'arbitre qui va lui accorder par un yes let s'il considère que le joueur a été gêné dans son déplacement de manière plus ou moins dangereuse, en l'occurrence là moins dangereuse. Si par contre l'arbitre considère qu'il n'y a pas eu d'interférence ou qu'elle est passée, que le joueur a la possibilité de jouer son coup, il peut dire no let. Sur un yes let, le point est remis, on remet au stade du score. S'il y a no let, le demandeur perd le point. À l'extrême, danger, si jamais le joueur se retrouve dans le swing de son adversaire ou dans la trajectoire de balle, l'arbitre peut sanctionner d'un stroke, et donc point pour celui qui demande. On est à Nantes. Je sais qu'on est une des capitales des publics, j'aimerais que vous le montriez et on va les encourager. Il y a un petit bonhomme qui adore ça. Merci pour eux, bon match. Allez, merci à vous. Squash Open final match between Henrik Mustonen of Finland to serve and Grégoire Marsh of France to receive. Best of five games, la balle.
2-0. Yes, I. Yeah, there was room to play that. Yeah, your swing was a bit excessive. 4-0.
5-4. Decision is a no let. There was contact, but the ball was just too good. 7-9.
lepo. Marsh leads by one game to love. Love all. Yes, that. One all. Thank you.
out. Final one. Hand out, 2-5. Hand out, 6-2. Down. 10-2. Game over. Left, please. Correction, right. Actually, it's two games to love. Lamour. One.
3-2. Right, please. Six.
and out, 7-6. Yes, that. 7-6. March 9-6. Я не знаю, что это.
Thank you. And out 10-8. Match ball. Yes, then. 10-8 match ball. Hand out 9-10. Match ball. Un match vraiment ultra consistant. T'es en train d'envoyer un gros signal à tes concurrents là, pour la suite de la saison. Je rappelle que c'est le début de la saison. Comment tu fais la différence face à un joueur qui est voilà, toujours aussi surprenant, qui mérite d'y prêter toute l'attention? Comment tu analyses ce match? Je suis super content. Je pense que j'ai fait un match presque complet pour une fois. Hier, il y a eu un peu des hauts débats et je n'avais pas les sensations d'aujourd'hui. Malgré le match d'hier assez tard, j'ai réussi à bien me reposer, à bien me remobiliser pour aujourd'hui. Et puis Henrik, on se connaît par cœur, on se joue depuis les juniors. Tu domines 5-4 maintenant, hein. Excuse-moi, je te coupe, mais ça y est, t'es passé devant. Hein. Tu domines. Ouais, ça fait du bien, ça fait du bien. Non, ouais, c'est vrai qu'on s'est fait des bonnes battles de plus d'une heure et demie des fois, donc là je suis content de m'en sortir en trois jeux. C'était loin d'être le cas il y a quelques années, donc je suis content, ça prouve que j'ai fait une bonne prépa cet été. L'objectif était vraiment de prendre la confiance et là bah, voilà, j'ai fait quatre matchs pleins comme je voulais et je suis d'attaque pour la saison qui arrive. Allez, tonnerre d'applaudissements pour Grégoire Marsh. Vainqueur. Tu rentres dans l'histoire de Nantes. Vainqueur de la première édition de l'Open International de Nantes. J'appelle tous les bénévoles, s'il vous plaît, devant et sur le côté du cours. Vous avez le choix. On va enchaîner avec la remise des prix. Je vous propose de rester avec nous, hein, bien sûr. De vous asseoir, de rester debout. Vous faites